Pierre-Alain, je me pose quelques questions sur mon métier d'ambulancier. Quand on intervient en ambulance, on sort tous les jours, quasiment, même plusieurs fois par jour. Finalement, les interventions, c'est notre quotidien. Pour les patients, c'est évidemment souvent une exception, c'est souvent une intervention dans leur vie, voire plusieurs, et eux, ils s'en souviennent, évidemment. Moi, je me pose la question où régulièrement on a peut-être un problème de lassitude chez certains de mes collègues. Avec le temps, on a l'impression que finalement les interventions se répètent et puis que ont tendance quand même à rendre les gens moins motivés, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, intéressant parce que moi ça me rappelle un peu certains étudiants qui disent justement que quand ils sont confrontés à des ambulanciers qui ont beaucoup d'expérience, ils n'ont pas du tout le même regard que eux qui sont tout enthousiastes parce que c'est quelque chose de nouveau dans lequel ils vont pouvoir s'impliquer, alors qu'ils sont confrontés à des gens qui paraissent moins comme ça, qui sont plus dans une espèce d'habitude et tout ça. Bon, en fait, bah, évidemment pour le nouveau c'est quelque chose de nouveau, c'est une appréhension nouvelle. Et je pense qu'avec le temps, on oublie que ce que tu as dit est très juste. C'est-à-dire que si pour l'ambulancier, c'est une habitude, on va dire, ça peut devenir une habitude, ça peut devenir quelque chose dans lequel on va peut-être moins s'impliquer, il n'en reste pas moins que c'est de faire fi que pour le patient, c'est quelque chose de nouveau. Lui, il vit une expérience incroyable, il vit quelque chose de hors de l'ordinaire, extraordinaire. Et que là, si la rencontre ne se fait pas, c'est dommage. L'ambulancier qui est encore attentif à l'autre, qui se dit, mais pour lui, c'est particulier pour lui, il a une situation de stress, pour lui, il y a quelque chose qui, ça veut dire qu'il ne l'a pas oublié. Il est suffisamment décentré pour entendre ce que l'autre vit, d'une certaine manière. Hein. Bon, ça c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, moi je pense que. Une chose qui me paraît importante, et c'est ce qu'on expliquait souvent en première année, c'est de dire que toute situation, c'est une convocation psychique spécifique. C'est une rencontre qui est particulière. Dans un temps donné, pour un laps de temps qui est donné, hein, ça dure à peu près 1 heure en gros. Hein, bon. Et pendant cette heure-là, il va se passer plein de choses aux yeux des patients avec lesquels ils ne vont pas se souvenir. Ce qu'ils vont se souvenir, c'est non pas véritablement ce qui s'est passé, mais surtout comment l'ambulancière, à rencontrer le patient et l'entourage. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et je pense que pour éviter ça, ben d'abord, se souvenir que si pour nous c'est quelque chose de commun et ça n'est pas du tout pour le patient, pas oublier ça. Donc ça veut dire, encore une fois, pas oublier de se décentrer. Puis se dire que, somme toute, toute intervention, c'est comme une pierre brute. C'est une pierre brute, et puis je crois que l'intérêt de la chose, c'est de dire finalement, de cette pierre brute, je peux en faire un diamant. Suivant comment je vais réfléchir à ce qui se passe, suivant comment je vais pouvoir interagir, communiquer, faire un débriefing par la suite, un diffusing avec le collègue avec qui j'ai travaillé, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a vécu, ça m'a fait penser à ceci, cela, ça veut dire qu'on est en train d'élaborer quelque chose. C'est-à-dire on est en train de construire, de transformer, de faire de cette pierre brute un diamant. Et si on peut de plus associer cette expérience qu'on aura ciselée pour en faire quelque chose, pour en faire un diamant, et si on peut l'associer à une philosophie de pensée, à la raison pour laquelle on a choisi ce job, qui est quand même très particulier, eh bien alors, de ce diamant brut, ça va devenir une rivière de diamants. Parce que ce qui va lier tout ça, c'est une philosophie de pensée. D'où la notion de philosophie de pensée, les trois questions de base. Qu'est-ce que je fais de ce que je vis? Qu'est-ce que j'en fais de ce que cette nouvelle situation? Les situations peuvent être multiples et variées, souvent tragiques. Et c'est ça qui me paraît, moi, extrêmement important. C'est d'avoir toujours cette attention-là, cette espèce de réflexe-là. Je dirais aussi une chose qui me paraît importante, c'est que l'usure, elle peut venir pas seulement des situations qui se répètent, mais aussi peut-être d'une dynamique d'équipe. Qui peuvent parfois être lourdes dans une atmosphère où on rentre avec des tensions, des conflits, des choses un peu sourdes, un peu comme ça. Et quand on est là-dedans, on en oublie encore une fois parce que notre énergie est prise par ça. On en oublie ce pourquoi on fait ce job.
Et ça me paraît... C'est un effort, c'est un exercice supplémentaire. Moi, dans le métier que je fais, c'est des rencontres tous les jours. Même si je revois la personne ou si je revois les enfants dont je m'occupe, etc., c'est tous les jours différent. Et c'est presque une discipline psychique. Sinon, je passe à côté. Sinon, je suis plus attentif. Sinon, je suis dans une routine. Et donc, mes antennes sont plus alertes pour capter ce qu'il y a à capter. Et puis, c'est très bien. Donc, si j'avais bien compris, c'est un peu... chaque intervention est une nouvelle aventure. Oui. Et il faut éviter de tomber dans les scénarios en disant « Allez, on a à nouveau affaire à des personnes alcoolisées, on a à nouveau affaire à des personnes... » Oui, alors ça c'est le truc, c'est que quand on vous dit qu'il s'agit de ceci ou de ceci, de cela, ben, l'humain c'est normal, hein. Il va anticiper. Donc quand il va anticiper, il va se programmer en se disant « Bon, si c'est ça, donc ça veut dire que je vais devoir certainement faire ça, 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 ça et ça. » Enfin, je sais pas faux. Le truc c'est que si on fait ça, on réduit le champ de vision. On se prépare déjà, on se programme déjà à faire un certain nombre de choses. Ce qui n'est pas faux, encore une fois. Hein. L'humain a besoin de ça, puisque une des caractéristiques de l'humain, c'est d'anticiper, c'est de prévoir les choses, c'est de s'y préparer, hein, c'est de se conditionner. Ce qui n'est pas faux en soi. Mais le problème du conditionnement, c'est que ça peut nous aveugler. Ça peut nous rendre non attentifs à un certain nombre de signaux qui paraissent importants. Des signaux, ça me fait penser toujours à la dimension culturelle. Quand on arrive dans un endroit où on voit une photo de Padre Pio, ou quand on arrive dans un endroit où on voit des magnifiques calligraphies musulmanes, on est dans un rapport à la douleur, à la souffrance, à la mort, à la vie, qui est totalement différent. Et si on n'est pas attentif à ça, on risque de passer à côté de quelque chose qui peut être important. Donc c'est se programmer n'est pas faux en soi, mais c'est quand même, et je dirais, c'est l'histoire, être prêt à tout, n'a rien à attendre. C'est-à-dire que si on est prêt à tout, on a tout en soi, on a tout derrière, mais on est prêt à accueillir ce qui arrive. On ne va pas accueillir ce dont j'ai besoin, le scénario que j'ai préparé dans ma tête, mais je vais accueillir ce qui arrive. Et accueillir ce qui arrive, c'est être prêt à tout recevoir parce que j'ai ce qu'il faut pour recevoir. Je suis attentif à tous les signaux que j'observe. Et ça va aussi, je pense... Alors c'est sûr que ça demande de l'énergie. Hein. C'est pour ça que ça demande une discipline quand même de vie. Hein. Pour pouvoir faire un boulot comme ça, il faut, quand on est sollicité et puis qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, on n'est pas dans une routine, comme dans un travail de bureau, c'est important de garder cette énergie pour pouvoir... capter les choses. Ça me paraît important, ça. Et là, tout est possible, tout est pensable. Et je me pose aussi la question si le système dans lequel on évolue, finalement, a une influence. Je prends par exemple une étudiante qui sort de l'école, on leur a appris plein de gestes, ils veulent vraiment sortir des situations où ils peuvent mettre en pratique tous les connaissances que leur a transmises. Et peut-être qu'ils vont peut-être réaliser qu'après quelques années, finalement, les situations instables sont quand même moins fréquentes. Alors tant mieux pour les patients, mais peut-être, je me demandais s'il n'y a pas aussi une part de frustration, peut-être aussi dans un système dans lequel ils n'ont peut-être pas l'autonomie pour pouvoir exercer certains gestes. Mais là, on retombe dans l'idée, on en oublie de l'idée d'être prêt à tout et ne rien attendre. Mm-hmm. De nouveau, si tu pars de l'idée que ça va être ceci et cela, donc ça va se passer, il faudra faire ceci et cela, on se ferme. Alors que souvent, quand vous faites les Valtra, vous préparez, il y a tout d'un coup une complication, il y a quelque chose d'autre qui va se passer, quand vous faites des exercices avec le mannequin, il y a des choses qui vont, que tu rajoutes des éléments, parce que pour éviter que la personne parte dans un truc et que dans un truc. Non, il y a peut-être des complications qui peuvent s'avérer, d'autres choses qui peuvent complexifier la chose. Ça, c'est important. Parce que, tu vois, il y a les situations instables, mais je trouve que dans les situations, finalement, même des P3, c'est-à-dire les transports, on va chercher à domicile, mais non urgent, déjà là, je trouve qu'il y a plein de choses à exploiter, puis c'est vrai que si on n'est pas curieux, si on ne s'intéresse pas à la situation, si on ne creuse pas un tout petit peu plus, si on ne s'intéresse pas à la personne, à son vécu et tout ça, on passe, je pense, à côté d'un certain nombre de connaissances. Et il n'y a pas besoin forcément toujours d'avoir une situation instable pour pouvoir la trouver intéressante. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. D'abord, c'est un être humain. Avant d'être une machine qui dysfonctionne de ce que disait Supervielle, un graffiti de veines et de nerfs, avant d'être ça, c'est un être humain.
qui pense, qui a une histoire, qui a un vécu. Il n'est pas qu'un patient. C'est un papa, c'est un mari, c'est une femme, c'est une mère, c'est une professionnelle, c'est quelqu'un qui a une histoire, qui a un vécu, qui a une manière de se sentir dans le moment. Et ça fait partie de la rencontre. Ça fait partie de nouveau, justement, de cette rencontre entre le soignant qui est là pour un laps de temps déterminé, dans une urgence spécifique, dans un moment extraordinaire, hors de l'ordinaire, qui va durer ce qui va durer. Puis ensuite, ben voilà, il y a le relais qui peut avoir lieu. Ça paraît important, ça. Ben, ça, c'est l'intérêt aussi de l'humain, de rencontrer l'autre, d'avoir, on va dire, cette capacité d'attention, d'ouverture, d'intérêt pour l'autre. Et c'est encore une fois une question philosophique. C'est ça. Peut-être, en conclusion, j'avais une fois un collègue ambulancier qui m'a dit une chose tout bête, c'est que pour aimer ce métier, il faut aimer les gens. Et finalement, ouais. Quand on aime les gens, on s'intéresse à leur histoire. Et puis, on a encore l'occasion de transporter des gens qui ont vécu une guerre mondiale. Et si on n'a pas, si on a le temps de pouvoir discuter avec, puis de savoir d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu, c'est une richesse incroyable. Absolument. Absolument. Ça me paraît. C'est un entretien. C'est quelque chose qui s'entretient, ça. Et je pense que là, c'est quelque chose aussi qu'une direction, par exemple, d'une entreprise peut renforcer, peut nourrir, peut stimuler, peut rappeler, peut... ce genre de choses-là. Ça va être aussi comment est-ce que l'équipe fonctionne, le duo fonctionne. Est-ce que l'un et l'autre peuvent échanger sur ce qui se passe? Est-ce que ça fait partie du protocole de l'entreprise qui dit ben, « prenez un temps pour diffuser, qu'est-ce qui s'est passé, comment, quoi ?» Pas seulement ce qu'on a fait juste, faux, pas bien, on pourrait faire mieux, mais dans cette richesse de la rencontre, du moment qu'on a vécu. Et puis je pense que de mettre des mots dessus, c'est quelque chose qui va nourrir. Très bien. J'ai mes réponses, merci beaucoup.